Un jour, il me dira... Merde, merde. Ah, vous êtes là? Toujours prête, monsieur. Mais ce n'est pas comme cet imbécile de plombier, hein. Il avait pourtant promis qu'il passerait dans la journée réparer ce maudit robinet, hein. Ah, mais celui-là, je le retiens, hein. Moi aussi. Jamais là quand on a besoin de lui. Tout le contraire de ma belle-mère. Toujours là quand on n'a pas besoin d'elle. Votre valise est bouclée, je suppose? Oui, pratiquement, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'effectuer une chose finale. Vous voyez ce que c'est, la conscience professionnelle? Non, pas trop. Vous savez, le travail et moi, on fait souvent chambre à part. Hein. Ah, à propos de ça, madame, t'as encore un mot? Évidemment. Je suppose qu'elle n'est pas encore prête, elle. Vous faites des progrès, dites-moi. Ah bon? Ben oui, normalement, vous auriez dû dire « ma femme n'est pas prête, elle ». Comme d'habitude. Ouais, ben le résultat est le même, hein. Bon, eh ben je... Karine! Karine! Je vous laisse en bonne compagnie. Ouais, mais ça, c'est subjectif, hein. Ah, alors disons plutôt que je vous laisse en famille. Ça, c'est objectif. Le temps de mettre en ordre quelques affaires. Et je suis tout à vous. Ah, mais je ne vous en demande pas tant. Hein. Mais ne vous pressez surtout pas. Hein. Karine est loin d'être encore là. Comme d'habitude. J'étais bien là. Là, monsieur, je vous retrouve. Ah, mais c'est ça, mais retrouvez-nous dans 10 minutes alors. Eh ben voilà ce que c'est que d'avoir une femme qui se fait désirer. Ouais, ben comme le plombier. Chérie! Chérie! Tu m'as appelé. Ben oui, je vois pas qui d'autre pourrait t'appeler ma chérie. Va savoir, moi je dirais plutôt que je ne vois pas qui d'autre tu pourrais appeler ma chérie, si tu saisis la nuance. Oui, vraiment un tout petit peu. Dis donc, t'as vu, j'ai mis mon costume bleu. Oui, ça se voit. Et ça va? Ça ne te va peut-être pas, mais bon, ça ira. Toujours dans la finesse, dis donc. Hein. Oh, et je suis souvent bien seule. Bon, mais au lieu de dire des bêtises, tu ferais bien mieux de te préparer, hein. Mais je suis prête, moi. Vas-y, profite du spectacle. Disons. Mais par mon portefeuille aussi, hein. Oh, ce n'est pas très gentil. Et comment tu trouves? Tu es magnifique dans cette robe. Merci, mais j'aurais mieux aimé. Tu es magnifique tout court. Tu veux dire sans la robe? Mais de toute façon, nous n'allons pas à une soirée habillée. Hein. Non, plutôt des habits, au contraire. Je pense quand même que je garderai ma cravate. Tu voudras. Oui, ça meublera un peu. Tu veux l'utiliser comme cache-sexe? Non, non, elle n'est pas assez longue. Ah non, mais je te parle de ma cravate, naturellement. Naturellement, quelle subtilité. Ouais, mais moi, j'essaye de me mettre dans l'ambiance, moi, au moins. Hein. En attendant, ajuste ton pantalon. Et si je portais un nœud papillon? C'est joyeux, un papillon, non? Oui, très joli, très saillant, qui plus est. Bah, avec lui, je me sentirais moins seul. Merci. Bah, Milan, c'est décidé. Je ne garderai rien. Comme tu voudras. Ouais, je pense que le nu ne me va pas si mal. Je constate en tout cas que tu prends cette soirée avec philosophie. Oh, mais bah, avec philosophie ou une autre, moi, tu sais, je fais pas le difficile. Hein. Et toi, alors, toujours aussi peu décidé? Oh, ne revenons pas là-dessus, tu veux? Je sais, tu ne connais pas cette soirée. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pourtant pour le bien de notre couple. Mais il va si mal que ça, notre couple. Mais non, voyons simplement, il faut le dynamiser. Le dynamiter, tu veux dire? Oh, tu exagères. Souviens-toi des bons conseils du docteur Dumont. Alors celui-là, je le retiens. Je te rappelle que le docteur Dumont est le meilleur sexologue de la ville. Évidemment, il n'est pas mal, c'est le seul. Ah, eh bien il n'empêche que... Hein. Il n'empêche que ce n'est pas lui qui est concerné. Il peut en donner tant qu'il veut des conseils, il n'est même pas marié. Ah, mais c'est pas une tare, hein. Et à ce que je sache, il nous a dit d'innover dans notre couple, pas d'organiser des soirées échangistes. C'est un moyen parmi d'autres. Hein. Mais j'aurais mieux aimé connaître les autres moyens. Allons, ne sois pas si angoissé, tu verras, tout se passera bien. Regarde les Berthier. Alors ceux-là, je les retiens. Ah mais décidément, on retient beaucoup de monde aujourd'hui. Va falloir qu'on se calme, sinon on va finir par être trop nombreux. Ça ne sera pas trop dérangeant pour ce soir, on a prévu large. Ah, il vaut mieux.
Mais tu pourras en revenir au quartier. Ils ont été ravis. Enchantés. Pourquoi ils ne te fourrer cette fichue idée dans la tête? Bah, ils ont toujours été de bons conseils. Regarde mes placements boursiers. Ne mélangeons pas tout. Ah, au contraire, mélangeons tout. Et surtout, mélangeons-nous. Berthier est un bon assureur, j'en conviens. Je ne suis pas persuadée qu'il assure aussi bien avec sa femme, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, quand on voit à quoi elle ressemble, c'est sûr qu'au niveau de ses placements boursiers, ça doit bien remonter en flèche. Hein. Et ce serait pour ça qu'il se serait mieux aussi. Oui, mais Huguette Berthier n'étant pas du genre top modèle, on comprend que son mari ait eu envie de changer de fesse. De face, quoi. Elle est tout, hein. Oh, tu sais, lui ne vous regarde plus le détour. En fait, ils y seront. Bon, naturellement, hein. Il ne manquerait cette soirée pour rien au monde. Évidemment. Ce sont un peu nos parents. Merci du cadeau. Allez, rassure-toi, hein. Il y aura d'autres couples. Ah. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Et on peut savoir qui sera de la partie? Mais je ne les connais pas tous. C'est Huguette Berthier qui s'est chargée des invitations. Je crains le pire. Bon, bah après tout, peu importe qu'il y ait X ou Y. Hein. Plutôt dans le X que dans le Y. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un couple d'habitués. Oui, Julie et Paul, je crois. On les connaît pas, mais tu sais, on fera vite connaissance. Hein. D'accord. Ah oui, il y aura aussi les Fougerons. Oui, Patrick et Cécile Fougeron. Mais ce ne sont pas des inconnus. Ah bon? Tu crois? Oui. On les a rencontrés au bal annuel de Bridge cet automne. Je m'en souviens pas. Allons, Cécile Fougeron. Tu ne vas pas me faire croire que tu l'as déjà oublié. Tu ne l'avais pas quitté des yeux de toute la soirée. Tu crois? Oui. Tu sais, c'est celle qui n'est pas fichue de trouver un mot dans le dictionnaire. Tu sais, la rousse. Personnellement, je préfère le petit Robert. Ah, mais désolé, aucun Robert n'est annoncé au programme. Hélas, on ne peut pas avoir la crémière et le crémier. Ah oui, mais j'oubliais, là. Il y aura aussi un couple de nouveaux, comme nous d'ailleurs. Mais là, je ne me souviens plus du tout des prénoms. Finalement, ça se présente plutôt bien pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, plus il y a de couples et plus il y a de possibilités. C'est logique. N'est-ce pas? Mathématique. Notamment la possibilité de te retrouver avec Cécile Fougeron. Bah, je ne l'avais même pas pensé. Alors. Tiens donc. Bah, tu sais, j'ai autant de probabilités de me coltiner Huguette Berthier. Hein. Et moi son mari. Ouais, aussi. Voilà. Finalement, on ne sait pas trop sur qui on va tomber. Ouais, c'est un peu le principe de ces soirées. Hein. Comme au mystigris, quoi. Voilà, oui, mais on m'a expliqué que pendant le dîner, on allait former des couples. Avec la chance que tu as, je sens que tu vas te retrouver le dernier avec une carte et à toi, la mère Berthier. Eh bien, finalement, tu ne le prends pas si mal que ça. Hein? Est-ce que j'ai le choix? Oui et non. Mais c'était ça, où j'allais à une de ces soirées tout seul. Tant qu'à faire, j'aime autant y être. Oui, tu as raison. N'oublions pas que c'est pour notre bien à tous les deux. Finalement, on n'aurait pas pu l'organiser ailleurs, cette rencontre. Ah non, c'est la règle. Le couple qui veut faire partie du club doit inviter. Ensuite, ça tournera. Hein. Tournez ménage. Ah oui, je sais. Ça nous aurait évité toute cette comédie avec Vin. C'est pas très joli de lui mentir. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Je dirais que c'est plutôt à cause de la bonne. On n'allait tout de même pas dire à Evelyne de rester, non? Mais si, et d'y participer quand on y était. Si ça se trouve, elle fait aussi partie d'un de ses cercles. Ah oui, elle qui est plutôt carrée, ça lui serait plutôt difficile de rentrer dans un cercle, tu vois. Mais réfléchis, il faut être deux pour espérer pouvoir y rentrer. Tu viens de dire à l'instant que tu aurais pu y participer tout seul. Ah oui? Ah mais pour moi, on aurait fait une exception. Et puis, j'aurais facilement trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Hein. Je serais curieux de savoir qui. Ah oui, mais les prétendantes ne manquent pas. Hein. Ah. Oui. Tiens, Madeleine Dubost, par exemple. Madeleine Dubost? Oui. Je te rappelle qu'elle vient de faire 76 ans. Tant que ça? Ah. Eh bien, elle ne sait rien en refuser, elle. Et puis... c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je te rappelle que le sucre t'est interdit. Voilà, je suis prête. Oh, parfait, nous aussi. Enfin, pour mon mari, c'est sur la bonne voie.
quand j'y pense, c'est votre cousine qui va être contente. Ma cousine? Oui, c'est bien votre cousine que vous allez voir ce week-end. Ah oui, ma cousine Germaine. Elle s'appelle Germaine? Non, c'est ma cousine Germaine. Mais elle s'appelle Claire. C'est bizarre. Je croyais qu'elle s'appelait Agnès. Agnès. Ce n'est pas le prénom que vous m'avez donné. Vous croyez? Affirmatif. Ah oui. Ah oui, en fait c'est simple. La cousine de ma femme s'appelle Agnès pour l'état civil, oui. Mais ça peut paraître bizarre, ça ne lui a jamais plu. Elle a toujours préféré qu'on l'appelle Claire. Hein. C'est ça, hein. Oui. La famille a un peu tiqué au début, mais s'il y a une personne qu'il ne faut pas contrarier, c'est bien ta cousine. Hein. Oh, ça. Elle a tendance à s'emporter facilement. Si j'osais, je dirais que c'est un peu la famille. Hein. Et je vous en aurais mille fois raison. Hein. Garde tes remarques pour toi, tu veux. Pardon. En résumé, votre cousine Germaine se prénomme Agnès, mais on l'appelle Claire. Voilà. Voilà, voilà. Sauf votre mari qui l'appelle Agnès. Oui, vous savez, pour lui, l'état civil, c'est l'état civil. Il est très conservateur, vous savez. Tiens donc. Ben, expliqué comme ça, c'est plus limpide. Oui, pour moi, c'est clair. Hein. Ben non, pour vous, c'est Agnès. Oui, pour moi, c'est Agnès. C'est pourtant Claire. Oh là 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 là, vos histoires de famille, mais c'est bien compliqué. Oui, Claire, Agnès, Germaine, c'est pareil. Ah, moi, je sais pas, j'ai essayé aucune de trois. Hein. En fait, c'est un peu comme moi. Oui. Oui, moi. Pour le civil, c'est Evelyne. Ah. Mais pour les militaires, c'est Ève. Ah, Ève, comme c'est mignon. J'étais pas plus que trois pommes. Que mon père, qui était sergent-chef à l'artillerie, m'appelait déjà Ève. Comme c'est trop mignon. Trop mignon de pommes, alors. Ah, vous, pour les bons mots, vous n'êtes pas la dernière. On le dit souvent. Et remarquez, quand on pense à Ève, on pense à la pomme, forcément. Hein. Ah, de mieux en mieux. Finalement, s'il y avait un tour de France du rire, je me demande si mon mari ne vous dépasserait pas pour certaines étapes. Oh, ça se jouerait sûrement le sprint. Ah, mais le maillot vert m'irait sûrement bien. Quoique, même sans maillot. Hein. Bon, mais il se fait tard, il faut y aller. Ah oui, bah, on est désolé de vous chasser comme ça. Hein. Comme une malpropre, vous voulez dire? Oh, Evelyne, nous aurions jamais. Mais madame, je plaisantais. Comme une malpropre, une femme de ménage. Vous voyez le rapport? Malpropre, ménage, malpropre. Oui, 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 très bien, très bien. Décidément, le maillot jaune est fait pour vous. Vous savez, plus j'y pense, plus je me dis que je vais plus rien rester toute seule pendant cette maison pendant votre absence. N'y pensez plus. Cette maison est tellement grande. Mais isolée, hein. Qu'il n'était pas prudent. Ni raisonnable. De vous y laisser seule pour le week-end. Voilà. Vous êtes vraiment prévenant avec moi. Disons aussi que ça nous arrange. Hein. Comment? Ben, mon mari veut dire que nous sommes ravis que vous allez voir votre famille, vous aussi, de temps en temps. Ah, oui. C'est bien aimable, mais vous savez, j'en ai vite fait le tour de ma famille. Oh, mais vous avez un frère, c'est mieux que rien, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez lui, au fait, ce week-end? Eh bien, tu n'as pas trop compris. Quand j'ai dit que vous partiez, que moi aussi, il fallait que je débarrasse le plancher. Oh, n'exagérons rien. Pardon, je voulais dire que je déguerpisse. Eh bien, ma belle-sœur m'a répondu que vous n'étiez pas là. Ça tombe mal, hein? Oui, mais finalement, elle m'a répondu que ça tombait plutôt bien. Ah. C'est bizarre, non? Ouais. Je suis sûre qu'elle finit par me trouver trop envahissante. Oh, qu'allez-vous chercher là? Vous savez, vous ne trouvez pas trop envahissante? Mais non. Au fait, nous comptons sur la fille de votre frère, votre nièce Virginie, comme l'an dernier, pour venir garder la maison quand nous serons en vacances cet été. Hein. Ah oui, ça nous a rendu bien service. Et d'ailleurs, mon mari l'a beaucoup apprécié. Disons surtout que ça nous a rassurés de savoir la maison occupée pendant nos 2 mois d'absence. Hein. Elle m'a promis qu'elle ferait tout son possible pour se libérer fin juin. Tant mieux. Pour l'instant, la guerre le temps. Ah, et y aurait-il une amourette en dessous, hein? Oh, c'est tout le bonheur que je lui souhaite. Mais non, ce sont toujours ses études qui l'accaparent. Ah, les vénardes. Vous savez, elle prépare son concours d'entrée dans une école d'architecte. Oh, très bien. Très bien, oui. Sauf qu'elle n'est pas le meilleur, la pauvre. Les révisions, que voulez-vous? Oui, c'est sûr qu'elle a beaucoup de mérite. Mais j'aimerais tellement qu'elle fréquente, qu'elle sorte plus. Non, mais ça viendra. Regardez ma femme. Elle s'est mise sur le tard, elle aussi. Bon, on pourra revenir à mon triste sort. Heureusement que ma petite cousine de Poitiers a bien voulu me recueillir pour le week-end. Hein. Ah, bon. Bon, vous posez, et vous risquez de me faire manquer mon train. On a encore de la marche. La bouche, c'est comme pour la valise. Il faut savoir la boucler. Voilà, c'est ça. Bien, alors allons-y, si nous voulons, nous aussi, arriver à 3 à l'heure. Hein. Mais vous ne partez pas que tous les deux? Mais si, pourquoi? Vous venez de dire que vous étiez 3. Mais non, nous allons chez la cousine de ma femme à 3, mais tous les deux. Oh là là, 3, la ville dans l'aube. Oh oui, j'y suis.
Ouais, mais nous, pas encore, hein. Heureusement que l'on ne pousse pas jusqu'à 7. Ah oui. On m'a déposé à la gare. Ouais, mais c'est normal, c'est sur notre chemin et c'est à 10 minutes en voiture. Hein. Je me demande ce que je ferai sans vous. Faites partie de la famille, Blin. Merci. Et je me demande aussi ce que vous allez faire sans moi. Mais ça, des tas de choses. Des tas de choses. Elle ne peut même pas s'imaginer. Facilement que prévu. Alors, tant mieux, tant mieux. En un peu plus d'une heure, nous étions à votre porte. 69 minutes exactement. 69. C'est que mon mari est un maniaque de la précision. Non, mais entrez, entrez, je vous en prie. Et puis faites comme chez vous. Hein. Merci, merci, vous êtes bien aimable. Ouais, mettez-vous à l'aise. Hein. Mettez-vous à l'aise. Hein. Pas encore, pas encore. Hein. Monsieur, c'est vrai que nous avons toute la soirée. Hein. Bon, on y va, on se connaisse alors. Pourquoi ça n'est pas? Si, c'est vous qui voyez. Hein. Et vous n'enlevez que vos vestes? Pour l'instant. Nous avons toute la soirée aussi. En tout cas, il fait bon chez vous. Non, mais rassurez-vous, hein. Tout nu, on n'aura pas froid. Voyez-vous, avant de commencer les choses sérieuses, nous avons prévu un buffet. Un buffet? Oui. Ah, ça c'est gentil. Ah, il ne me fallait pas. Mais hein. Si. Ça permettra de mieux se connaître. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ça c'est vrai. Mais l'appétit sexuel, cela va sans dire. Hein. En fait, c'est Huguette Berthier qui nous a conseillé qu'un buffet serait le bienvenu. Huguette Berthier? Oui, il paraît qu'à chaque soirée à laquelle elle et son mari ont participé, c'était comme ça. Il y avait un buffet. Ah. Oui. Je vais vous être franc avec vous. Hein. D'abord, on n'a rien à se cacher. Hein. Non. Je dois vous avouer que c'est la première fois que nous organisons. Que vous organisez? Oui. Une soirée entre échangistes. Alors j'espère
que tout se passera bien. Mais il n'y a pas de raison. Au début, on a un petit peu hésité à se lancer. Hein. Oui, mais c'est compréhensible. Hein. On voulait même reculer. Surtout ma femme, il faut bien le reconnaître. Hein. J'ai reculé pour mieux sauter. Hein. Mieux sauter. Oh, alors vous, vous avez l'esprit d'un propos. Hein. Vous allez vraiment prendre ma femme. Il n'y a pas de raison si on s'entend bien. Hein. Bien sûr. Ah, à mon tour, si j'osais. Ah, mais osez, osez. Ce soir, tout est permis, voyons. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Pour nous aussi, c'est notre premier échange, voilà. Non. Si, si. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais la vague impression. Hein. Je n'aurais peut-être pas dû vous l'avouer, ça. Ah, si, si, mais on débute nous aussi, il n'y a pas d'avantage. Vous n'avez peut-être pas très, comment dire, professionnel. Ah, mais on est tous des amateurs, hein. Ah, ouais. Et même parfois, hein, des menteurs tout court, hein. Oui, c'est ça. Oui. Figurez-vous que c'est notre médecin qui nous a poussé à nous lancer. Voilà. Oui, notre sexologue, pour être plus précis. Vous voulez dire votre généraliste, enfin votre spécialiste, c'est pareil. Oui, c'est la preuve. Hein. Le docteur nous a dit qu'il n'y avait rien de tel qu'un changement d'air pour se remettre en forme. Oui, sans doute. Hein. Il faut dire que mon mari a de l'asthme. Enfin, vous dites, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, voyons. Oui, au début, moi j'étais un petit peu réticent, je l'admets quand même. Hein. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Hein. Oui, mais c'est même un peu le principe. Hein. Oui. Et puis, échanger, c'est se mettre un petit peu. Ouais, c'est. À mal à l'aise, quoi. Oui, même beaucoup. Hein. Ah, oui, avec des étrangers, ça peut être gênant, quand même, non? Ah, mais ça, on a tous notre pudeur. Hein. Oui, parce que. Se mettre à nu chez soi, comme ça, passe encore, mais devant des étrangers... Ah, mais je vous le répète, avec moi, il ne faudra pas vous gêner. Hein. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre nu tout de suite. Hein. Vous voulez dire à nu? Oui, c'est pareil. Hein. Voyez-vous, ce qui nous gênait un petit peu au début, c'était nos âges. Nous sommes encore jeunes, mais quand même. Il y a pire, hein. Oui. Je ne cesse de répéter à mon mari que nous aurions dû démarrer il y a 10 ans. Il n'y a pas d'âge pour démarrer ce genre de pratique, hein. En tout cas, avec vous, on est tout de suite à l'aise. Ah, mais j'espère bien. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, à l'agence... De se passer par une agence? Ben ça alors, je ne savais pas qu'il y avait des agences pour ça. Oh, mais ce n'est qu'une toute petite partie de ses activités. Hein. Ah bon? Oui. Tenez, ils nous ont fait savoir qu'ils avaient vu un couple qui s'était mis sur le tard. Tiens. Ah bon? Et même le très tard. Ah. Oui, lui, 81 ans et elle, 86. Non! C'est vrai? Ça vous étonne, vous aussi? Ben, un peu, je dois bien le dire. Hein. Cela va faire 4 ans maintenant qu'ils font régulièrement des échanges. Ils ne sont pas prêts d'arrêter. Il n'y a pas de honte à se faire plaisir. Hein. Tous les échanges qu'ils ont pratiqués se sont, paraît-il, déroulés merveilleusement. Et pour eux peut-être, mais pour les partenaires. Hein. Vous voulez dire les couples avec lesquels ils échangeaient? Oui. Non, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ils ont pris l'amitié avec un jeune couple de Belges de la vingtaine d'années, voyez. En février, ben, ils échangent pendant une semaine. Pendant une semaine? Quelle forme! Des gens charmants, ces Belges, paraît-il. Ah ben, il n'y a pas de raison, hein. Ah ben, si vous voulez dire que ce couple d'octogénaires possède un chalet à Morzine. Ah, oui. Alors ça facilite les échanges, forcément. Oui, sans doute. Pour ceux qui aiment la neige et qui n'ont pas de montagne comme les Belges, ben c'est intéressant, je trouve. Très, oui, très, très. Mais ben, on cause, et je risque d'abuser de vous, n'est-ce pas? Oh, mais nous avons tout le temps pour ça. Avec ma femme, naturellement. Oh là là, ma femme. Je n'y pensais plus. Ah ben, faut vite que je file la gare, sinon c'est la catastrophe assurée. Vous m'excuserez, je dois vous abandonner. Hein. J'en prie. Et je suis de retour dans 10 minutes. Hein. Faites. En attendant, vous pouvez vous installer dans la bibliothèque. Hein. Merci. Et je vous le répète, vous êtes ici chez vous. Hein. Très bien. Ah, j'oubliais. Vous êtes les premiers. Les premiers? Oui. Ah, mais les autres couples ne devraient pas tarder. Hein. Les autres couples? Ben oui, plus on sera,
Il y aura de possibilités, non? C'est ça, c'est ça. Bon, allez, allez, et à tout à l'heure, et à en forme, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ma foi, ce monsieur m'a l'air charmant. Oui, je trouve qu'il a parfois des propos assez surprenants. J'ai pas bizarre, remarqué. Ouais, voilà, peut-être que je me fais des idées. Tu sais, il doit être un peu perturbé, hein. Comme nous, c'est la première fois qu'ils vont échanger leur maison. Oui, oui, à ce propos, cette maison me paraît superbe. Oui, tout à fait ce que nous recherchions. L'espace, le calme. Et le bonheur de l'altitude. Tout ce que t'a recommandé le docteur. Oui. J'espère que notre villa leur plaira autant que la leur nous plaît. Pas de raison, avec la vue sur la baie niçoise que nous avons, il faudrait être difficile, très difficile. Et si on visitait? Tu n'y penses pas. Dans leur absence, non, ça ne se fait pas, voyons. Oh, tu as raison. Comme d'habitude. Il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Oui. Tu as entendu comme moi. Il a bien dit que nous étions les premiers et que notre couple est attendu. Exact, ça ne m'étonne pas. Hein? Vu la maison, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des volontaires pour l'échange. Hein? Oui, d'un côté, comme il l'a dit, ça leur offre plein de possibilités. Ah oui, ça. Et puis, certes, l'année est longue, et puis les miniatures de courte durée sont de plus en plus à la mode. Oui. Et même hors saison. Mmh. Remarque, nous avons un avantage. Nous pouvons facilement décaler nos vacances de manière à ne pas empiéter sur d'autres échanges si c'est le cas. Ah, mais ça serait bien, oui. Ce serait dommage de manquer une occasion pareille. Ah, une demeure comme celle-ci dans la région que l'on souhaite, ben dis donc, ah, mais on n'est pas prêt d'en retrouver. Mais en y mettant le prix fort. Tu veux dire en loin? Mais oui, t'as bien vu les prix qui sont pratiqués à la chance. Même si c'était des francs, certains donneraient le vertige. Alors que là, on ne paiera même pas un euro. Alors tu vois. L'agence a quand même eu une riche idée de nous rappeler pour nous suggérer cette possibilité d'échange. À laquelle nous n'avions même pas pensé. Il faudra qu'on pense à téléphoner pour remercier le monsieur qui s'est occupé de nous. Oui. Comment il s'appelle déjà? Mathieu, c'est ça. C'est ça, oui. Mathieu, oui, mais encore faut-il que nous gagnions l'affaire, hein? Tu es optimiste? Ben oui, mais enfin, gare à la concurrence, hein? Et si nous voulons gagner, il va falloir que, hein, on joue très très serré, très fort, hein? Tu as raison. Oui, allez. Un magazine entre les mains, je ne regarde que les pages mode et l'horoscope. Quand il y en a, bien sûr. À ce propos, vous êtes de quel signe? Verseau. Oh, comme c'est merveilleux. Moi, je suis... Balance. Vous savez que ce sont deux signes qui sont faits pour s'entendre admirablement. Bah, tant mieux. Alors, comme ça, ça se passe chez vous? Oui, on va dire ça. Et vous jouez à la géo, c'est ça? À la géo. Enfin, la gentille organisatrice, quoi. On peut dire ça aussi, oui. Gentille et charmante, et qui plus est, ce qui ne gâte rien. Je m'attendais pas aussi bien. Bah, c'est vrai, d'habitude, on tombe plutôt mal. D'habitude? Parce que vous avez l'habitude d'échanger? Oh, que oui! On ne compte plus, ma femme et moi. Bah, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et enfin, vous savez, l'amour là-dedans... Je ne vous ai même pas demandé votre joli prénom. Virginie. Oh, comme c'est mignon, Virginie. Et sensuel à la fois. Virginie. Moi, c'est Paul. C'est marrant. Ah, vous trouvez? Bah oui, vous c'est Paul, moi c'est Virginie. Et alors? Ah, mais rien. Un quoi, non? C'est un de mes couples préférés avec Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, vous dites?
Je ne connais pas non plus. Ah, pourtant, des couples, on m'a croisé, croyez-moi, mais ceux-là, jamais fréquenté. Enfin, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a des prénoms et des signes qui vont bien ensemble. Voilà un début prometteur. C'est parfait. Comme vous pouvez le constater, la maison est grande. Mmh. Les chambres aussi, j'espère. Elles sont très spacieuses, il y en a 5. Il faudra bien tout ça. Vous voudriez peut-être les visiter? Oh, pourquoi pas. Avec vous, ce sera un plaisir. On devrait peut-être attendre votre épouse, non? Ah non, 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 c'est pas obligé. Après tout, on ne fait que prendre de l'avance. Bien, comme vous voudrez, alors je passe la première. Ah, avec plaisir. Voilà, on fait pas passer. Voilà, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Je me demande vraiment dans quelle galère on s'est fourré. Oh, tu as vraiment le sens des mots. Hein. Il faudrait bien de penser à nos invités. Là. Tes invités. Oh, les nôtres, hein. Si tu y tiens, d'ailleurs, les premiers ne devraient plus tarder. Ah, ben, ils sont déjà là. Non. Ouais. Je les ai rencontrés lorsque je suis venu chercher le sac d'Emeline. Et tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. Tu m'as pas laissé le temps. Et ils sont où? Je leur ai dit de nous attendre à la bibliothèque. C'est qui au juste? Un couple. Merci du renseignement. Je me doute bien qu'ils ne sont pas des quintuplés. Oui, Odile et Michel, je crois. Ce doit être les nouveaux. Ils m'ont confié que c'était la première fois qu'ils échangeaient. Et qu'est-ce que tu en penses? Ben, qu'ils font un début à tout. Hein. Et qu'avec nous, ils ne seront pas dépaysés. Je te demande comment tu as trouvé ce couple. C'est facile. À l'entrée, tout simplement. Là. Arrête de plaisanter, une minute, tu veux? Ah, une minute, ça devrait pouvoir se faire. Hein. Alors comme ça, madame est curieuse. Non, c'est purement un titre indicatif. Alors, un peu de patience. Mais j'en ai à revendre. Et puis, il faudra faire avec. Hein. Je te demande, tu vas me dire oui ou non à quoi ressemblent nos futurs partenaires? Ah, partenaire, ça, c'est pas encore fait. Hein. J'espère qu'on aura notre mot à dire pour la formation des couples, parce que franchement... Franchement, ben, ce ne sont pas des mannequins. Hein. La femme n'a vraiment pas le physique d'une jeune première, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Elle serait plutôt en fin de carrière. On s'en contenter, tu l'as voulu, tu as su. Allez, je te rassure, hein. Le mari non plus n'est pas de la première fraîcheur. Hein. Les Berthier ont du souci à se faire. Ils vont être largement concurrencés. Oui, ils se sont mis sur le tard. Mais il y a pire. Hein. C'est possible, ça? Ah, oui, oui, oui. Ils m'ont parlé d'un couple de presque centenaires qui changeait pendant un mois avec un groupe de jeunes Belges à peine majeurs. Heureusement que les Fougerons seront là. Ah oui. Ce qui te laisse une opportunité intéressante, non? Ah mais je vais m'occuper de nos invités. Hein. Et moi du buffet. Ah mais je l'avais oublié, je suis à l'Odonesse, je m'en occupe. Toi? Oui, oui. Ah, j'y suis, comme ça tu n'as pas à prendre en main aussi charmant. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Si je vais en cuisine, c'est uniquement pour te soulager. Je me demande qui est gagnant dans l'affaire. J'ai le sentiment que tu veux te décharger. Oh, décharger! Alors toi, tu as de ces expressions, alors. Bon, vas-y, file en cuisine. Et si tu as un souci, appelle-moi. D'accord. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout se passera bien. Pour moi, évidemment. Ça fait deux fois qu'il m'appelle ma chérie aujourd'hui. Ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Qui sait, on est peut-être sur la bonne voie. À nous trois, maintenant. Madame? Julie? Appelez-moi Julie. Ah oui, Julie. Moi, c'est Catherine. Vous vous rappelez? Bon ben, je vais m'installer. Faites. Dites, vous n'auriez pas vu mon mari par hasard? Paul, c'est ça? Vous le connaissez? Non, pas encore. C'est Gepertier qui nous a donné les prénoms des couples participants à la soirée. Hein? Votre mari serait déjà arrivé? Je le pensais. Nous avons un couple, mais... C'est bizarre. Oh, il ne doit pas être très loin. Si ça se trouve, il a déjà trouvé quelqu'un, enfin, quelqu'une. Ah. Oui, à chaque soirée, je ne cesse pourtant de lui dire que ce n'est pas très bien de commencer avant que tous les invités soient présents. Mais j'ai du mal, c'est plus fort que lui.
C'est maladif. Et petite. Il ne peut s'empêcher de sauter sur tout ce qui bouge. Grande, petite, jeune, vieille, belle, moche. Enfin, vieille ou moche, non. C'est pas trop son truc quand même. Remarquez, on est tous pareils. Sauf que moi, je sais me tenir et attendre que tous les invités soient présents et que l'on ait constitué les couples. Bah oui, il faut être patient. Et bien entendu, sinon ce n'est pas du jeu. Bon, on va tout de même le trouver, cet énergumène. Avec qui, c'est autre chose. Cherchez bien, la maison est grande, même nous on s'y perdrait. Grande et belle, tout comme moi il y a 10 ans, vous direz mon mari. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien chez vous. Hein. Oui, on se plaît bien dans notre maison. Ah, oh, je vous comprends. On se contenterait de moins. C'est un peu comme les couples d'ailleurs. Ah, oui. Paul, enfin, mon mari, quand il m'ennuie, je lui dis d'aller voir chez la voisine si le gazon est un petit peu plus haut. Ça plaît bien à mon mari. Mais j'espère bien. Tout comme j'espère qu'il me plaira et que vous plairez au mien. Remarquez, je vous le répète, hein. N'est pas très difficile. Merci. Dites, nous avons prévu un buffet. Parfait. C'est ce qui se pratique couramment. Vous comprenez, on ne veut pas faire de fausses notes. Bien entendu. Parce que c'est la première fois que vous participez, c'est ça? Oui, et que nous organisons. Ben, il faut bien démarrer un jour. Hein. Et au juste, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir échangiste? Moi, c'est surtout mon mari qui en avait envie. Moi, je n'y tenais pas trop. Ah. C'est... D'après Damien... Ça donne du tonus à notre couple. Il en manque? Selon lui, oui. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes mariés. Et il lui semble que l'on s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Peut-être a-t-il raison. Je me le demande. C'est Gilbertier qui lui a dit que d'organiser des soirées d'échangistes était un moyen de nous redécouvrir et de renforcer notre union. Ah, Guette Berthier n'a pas inventé la foudre. Ah, ça, je le confirme. Mais vous savez, il n'y a pas de recette universelle. Non. L'amour, c'est comme une plante. Il suffit de l'entretenir pour qu'elle ne crève pas et qu'elle s'épanouisse. Enfin, oui, j'adore jardiner. Mais dites-moi, vous aimez votre mari? Oui. Et lui, il vous aime? Oui, même s'il ne me le montre pas assez. Et vous voulez montrer? Ben, c'est-à-dire que... D'après moi, votre amour n'est qu'un soupir. Vous croyez? Et c'est à vous de le réveiller. Le réveiller comment? Mais il y a mille et une façons. Ben, je m'en contenterai d'une dizaine. Eh bien, si vous voulez, mon ami. Oh, j'aimerais bien. Il est inutile d'aller chercher trop loin ou trop compliqué. Comme cette soirée, par exemple. Effectivement. Je suis persuadée que chaque femme a tous les atouts entre ses mains. Il lui suffit d'avoir confiance en elle et y mettre en valeur. Vraiment? Oui, bon, avec vous, il y a sans doute du boulot, hein? Mais c'est joli. Si on peut s'entraider entre femmes. Dites, je peux vous demander pourquoi vous participez à ce genre de soirée? Oh, nous, tout simplement parce qu'on adore ça. On a toujours envie de découvrir de nouveaux paysages. C'est un mode de vie qui nous convient parfaitement. Chacun y a ses moments de liberté. Karine! Ah, mon moment de liberté se termine. Mon mari a besoin de moi en cuisine. Karine, profitez-en. Pardon? Oui, toutes les occasions sont bonnes pour séduire. Et la cuisine est un endroit rêvé. Oui, bon, quant à moi, je vais me refaire une beauté. Ça faisait longtemps. Là. Merci, à tout à l'heure, et bonne chance. Hein. Et merci pour vos conseils. À tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut le mettre en pratique? Thank you.
Très bien, madame Julie. Moi, c'est Michel. Hein? Michel Duboulet. Mickey, quoi. Mais ça sonne mieux que Michel. Ah ben, si vous dites, hein, je vais pas vous contrarier. Mais il ne m'occupe plus que ça. Oui. Je dis sur le m'appelle Mickey. Je suppose que vous êtes la propriétaire de ces lieux, n'est-ce pas? Ah non, 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 je suis échangiste. Vous en êtes, vous aussi, je suppose. Oui, oui, j'en suis. Votre famille a besoin de toi, que fais-tu? Si, elle se repose la fureur du voyage, vous voyez. Quant à mon mari, il est dans les parages, je n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Une autre, ça l'est peut-être déjà chargée. Qui sait, hein? Oui, et vous venez de loin? Non, de la bibliothèque. Là. Mais non, non, là, je n'ai pas fait la vie. Ah, pardon, j'ai pas très bien compris. Oui, j'avais remarqué. Nous venons de Nice. Oh, en quelque sorte, vous êtes des nice people. Oui, c'est ça. Nice, vous en avez de la chance. Oh. Ah oui, j'en conviens parfaitement, oui. Mais j'admets que c'est quand même un bon point pour échanger. Et vous êtes de quelle contrée? Nous sommes d'Avignon. Ah, c'est une charmante ville, qu'à ce qu'on m'a dit aussi. Ouais, ma femme et moi aimerions un petit peu mieux connaître, vous voyez. Et qui sait, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de procéder à un échange. Ah, ça nous verrons ce soir, hein, quand tout le monde sera arrivé. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir de la concurrence. Le point est un peu exagéré, même si au fond il y a une part de vrai. C'est bizarre, mais tout à coup, là, j'ai l'impression que l'atmosphère s'est tantinée. Sûrement, oui. Je dirais même un peu insupportable. Et vous suez à grosses gouttes. Hein? J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Si, non, je veux dire, non. Dommage, je pensais vous faire de l'effet. De l'effet, en effet, vous me faites de l'effet. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Oui. La souris n'a pas encore commencé, gardez la tête froide. C'est cela, vous avez raison, gardons la tête froide. Ben, surtout, la salle de bain est à côté, là. Mais, allez donc pour rafraîchir un peu les idées. Merci. Et profitez-en pour vous rafraîchir le reste. Qu'est-ce que c'est que ce coincé? Ah, j'en ai rencontré des coincés dans ma vie, hein. Mais alors des bloqués à ce point? Rarement. Sacré recrutement. Je sens que je vais m'amuser. Ça alors, pour être rafraîchi, je le suis vraiment. J'avais oublié de vous dire que le robinet avait quelques petites défaillances. Ben comme ça, je ne suis pas tout seul. Bien sûr. Vous êtes... Figurez-vous que moi aussi, j'étais toute trempée. Non. De la tête aux pieds. Tête aux pieds. Vous vous rendez compte? Un peu, oui. Envoyé à travers des vêtements. C'est gênant, non? Oui, c'est oui. Moi qui suis de naturel pudique. Mais comme ça, nous avons un point commun. C'est déjà ça. Et vous savez, je ne portais rien sous ma robe. Rien de rien? Non, et j'étais tellement embarrassée que j'ai pensé à un moment donné me mettre toute nue pour faire sécher mes vêtements. Ah, bah, toute nue? Oui, ça ne m'aurait pas dérangé. Ah, moi non plus. Ah, enfin, si. À la maison, j'ai l'habitude. Hein? Les voisins sont, paraît-il, ravis. Alors, il faudra vraiment que nous passions à échanger nos adresses. Pour échanger. Oui, maître de patience, un peu de patience, enfin. Oui. Heureusement que j'avais pensé à apporter mon maillot de bain. Oui, c'est une chance. Et ça va? Oui, pas mal, merci. Je vous demande pas comment vous allez. Je veux votre avis. Mon avis, mais sur quoi? Sur mon maillot d'aubaine, pas sur le taux de l'inflation. Il me va bien, non? Je l'ai acheté cette semaine. Il vous sied à merveille. Il met bien mon goût en valeur, vous ne
trouvez pas? Si, si, et pas que le dos d'ailleurs. Mais il a tendance à me serrer un peu là, vous voyez là. Ah oui, oui, je vois très très bien. Oui. Et je me demande si je ne devrais pas me lever. Certainement, si vous comprenez le trop. On verra ça plus tard. Passons à vous. Vous n'allez pas rester dans cet état tout de même. Ah bon? Mais non. Non, et qu'est-ce que je peux faire? Déshabiller, voyons. Comment? Déshabiller, quoi? Déshabiller. Mais vous déshabillez, vous? Non, mais ici? Mais oui, bien sûr, pas chez le boulanger. Ah, vous avez l'humour. Alors, vous qui? Quoi? On va faire une chichi entre nous. Non. Oui. Comme ça, vous serez prêts dans tout le monde. Vous voyez? Mais oui. Mettez-moi une belle comme moi. Vous ne savez pas ce que c'est peut-être un maillot de bain. Ah, si. Mais comme ça, vous profiterez de la piscine. Vous croyez? Mais oui, nos hôtes ont insisté pour que nous fassions comme chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ils ne vous ont pas dit que la piscine était à notre disposition? Non. Eh bien, ils auront oublié. Mais on nous a bien dit qu'il fallait qu'on se mette à l'aise, en tout cas. Oui, et je parie que nos hôtes seraient très 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 embarrassés et seraient toujours embarrassés si nous ne faisions pas bon usage de tout ce qui est mis à notre disposition. Mais vous savez que je sache. Oh, non. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est ça, vous avez raison, je n'ai plus qu'à me lancer, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est que... Vous ne savez pas nager? Si. Eh bien alors? Je me débrouille pas mal, la nage indienne. Bruno me dit qu'il faut bien que je commence un jour, hein. Oh, je vois. Je commence. Indien. Oui. Il y a le bureau à côté de moi, à la direction du fisc. Hein. Et puis, il n'est pas le dernier pour raconter des blagues. Hein. Tenez, mardi dernier... Stop. Allez vous changer maintenant. Allez. Mais c'est que... je n'ai pas de maillot. Vous n'avez pas pensé à l'apporter? Non. C'est fâcheux. Oui. Peut-être que j'en prêterai rien. Vous voulez rire? Non, je plaisante. Le bruit, c'est être un peu large pour vous. Oh, non, vous avez du mal. Mais pas que ça, d'ailleurs. Mais j'y pense. Oui. Vous n'avez qu'à mettre celui de mon mari. De votre... Ben, son sac est là. Oui. Eh bien, vous doutez bien que mon mari est très partageur. Bon? Ben, mais, oui. Mais lui, alors? Ben, lui, il adore se baigner tout nu. Ah ouais? Oui. Merci. En tout cas, oui. Ça n'a pas
patron. Je présageais pas trop vite. On saura en fin de soirée si j'ai été bonne. Même si je reconnais que les hommes disent souvent « Julie, qu'est-ce qu'elle est bonne !» Oui, assez cool maintenant. Oui. Allô. Vous voulez venir barboter avec moi? Mais oui, le temps de mettre mon peignoir et je vous rejoins. Bon, ben alors, à tout de suite, hein. Au milieu, hein. Heureusement, il est déjà con sur les bords, alors qu'est-ce que ce serait au milieu? Décidément, on a trouvé la perle rare. 40 carats de conneries. Et j'ai bien peur que ce soit pareil pour sa femme. Je sens qu'on va s'ennuyer ferme ce soir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parfait, excellent. J'en suis ravie. M'attendez vraiment pas de si jolies choses. Alors, vous parlez de quoi au juste? De nos chambres, voyons. Ah. Ben oui, elles vous plaisent? Ah, pour ça, oui, vos jambes sont ravissantes. Enfin, je veux dire, les chambres sont ravissantes. Personnellement, j'étais pour m'y attarder davantage. On peut y faire des tas de choses, non? Oh oui, elles sont assez grandes pour y mettre un dressing dans chacune d'elles. Ah, oui, enfin, j'avais d'autres idées. Les lits ont l'air confortables. Sûrement, oui. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps de les essayer. Ah, je suis sûre que ça plaira à votre femme. Il n'y a pas de raison, hein? Et puis que ça vous plaira à vous aussi? Oui, autant que vous me plaisez. Ah, au fait, moi, je vous plais au moins? Certainement. Je m'en doutais. En fin de compte, tout le monde plaît à tout le monde. Bah, tant mieux. Alors, c'est vrai. Je ne doute pas que nous allons faire affaire ensemble. Faire affaire ensemble, comme c'est joliment dit. Mais je demande que ça, moi, que nous mettions nos intérêts en commun. Et vous verrez, il reste encore beaucoup à découvrir. Oui, enfin, le peu qu'il m'a été donné de voir m'a tout espéré. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Non, mais j'imagine facilement. Tenez, le parc, par exemple. Le parc? Oh oui, il est super. Oh. Là, du balcon, on a une vue plongeante. Oui, j'en ai l'impression, oui. J'aime cet espace plein de liberté, ces collines. Moi, c'est de collines. Le sous-bois touffu. Le sous-bois touffu. C'est si pas le bout. Hé, 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 pas de patience, on va venir. Pas dérangé. Non, on ne sent pas dérangé, non. Je passerai des heures à profiter du spectacle. Yaka, yaka. Qu'est-ce que vous faites? Ben, quoi, je prends de l'avance. Comment? Ben oui, moi j'ai un principe en affaire. Je verse toujours des arts avant de passer ma commande. Mais vous êtes fous! Ah oui, de vous, ça se pourrait bien. Et comme vous l'avez dit, vous n'avez encore rien vu. Le plus beau reste à venir. Monsieur
m'y attendais pas. Ben, je suis désolée, mais je n'ai pas eu le choix. Ah bon? Ben oui. Alors, si vous voulez bien vous rhabiller, et puis je crois qu'on va s'arrêter là, vous et moi. Ah, je ne fais pas affaire avec vous. Non, je crois qu'on s'est mal compris. Mais je ne demande qu'à arranger les choses, moi. Eh bien, pour commencer, rhabillez-vous. Ah, ça y est, j'y suis. Rhabillez-vous. Ah ben, il est temps, hein. J'aurais pas lu, c'est ça? Non, vous n'auriez pas dû. Et voilà, on dit toujours, à force de vouloir commencer avant tout le monde, ça finira par jouer des tours. Et vous ne m'avez pas laissé le choix. Attendez, j'ai compris. Vous préférez attendre que tout le monde soit arrivé avant de passer aux choses sérieuses, c'est ça? Comment? Mmh. Mais je comprends votre décision. Je suis bon joueur, moi. J'attendrai mon tour. Votre tour? Oui, mais attention, hein. Prompt pour former un couple avec vous, hein. Bon, écoutez, j'espère ne pas comprendre ce que vous me racontez, et pour la dernière fois, rhabillez-vous. Enfin, j'en vois pas l'intérêt, ce qui est fait n'est plus à faire. Ah ben, votre femme pourrait arriver d'un instant à l'autre. Et alors? Eh bien, elle pourrait s'imaginer des choses. Ah, ça oui, elle a une imagination débordante, c'est comme moi. Oh ben, ça suffit, maintenant, pour la dernière fois, prenez vos affaires et rhabillez-vous. Soit, mais c'est que partie remise, hein. Bon, écoutez. Alors, vous... Oh, vous savez ménager le suspense. J'adore ça. Non mais qu'est-ce que c'est que cette obsédée? Et Mathieu qui m'avait dit que c'était des gens sérieux. Oh non. J'espère qu'une chose, c'est que sa femme rapplique au plus tôt et qu'elle soit moins détraquée que lui. Parce que moi sinon, je vais pas faire avec ces gens-là. Oh ben pas question. Oh, qu'elle rapide vite! Bon, Virginie, un peu d'air, ça te calmera. C'était justement des occasions. Parce que vous êtes encore côté à l'Argus, vous. Elle va là-bas, Mme Lafont. Vous m'en posez de ces questions. Monsieur Lafont, c'est pas vous non plus. Gagné. Dites, vous devriez nommer Derrick, vous. Derrick? Oui. Ah, vous alors? Vous êtes... perspicace. Derrick, c'est mon héros préféré. Comme c'est étonnant. Oui, mais vous aimez, vous aussi. Oh, il n'est pas réellement mon petit peu d'homme, hein. Non, pas du tout. Hein. Et moi, je le suis. Pas davantage. Il faut reconnaître que Derrick, à première vue, c'est pas vraiment séducteur, lui non plus. Hein. À première vue seulement. Mais quand on le connaît bien... Comme vous. On peut dire ça. Tenez, dans un épisode, le numéro 27, si ma mémoire est bonne... Dans ce genre de choses, je n'en doute pas. C'est l'épisode où une jeune fille se fait enlever par son oncle dans une brasserie près de Francfort. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Ah, dommage, hein. C'est l'un des meilleurs de la série. Enfin, pour moi. Ravi de l'apprendre. Hein. Jusqu'à la fin de l'épisode... Derrick semble impuissant. Et d'un coup... Et en fait, vous leur voulez quoi, vous, à monsieur et madame Lafont? C'est comme qui dirait eux qui en veulent après moi. Ah bon, je demande bien pourquoi.
Oh, mais je vous comprends. Vous êtes bien le seul. Je suis le plombier. Vous êtes plombier? Figurez-vous qu'un instant, mais un instant, je me suis demandé si vous n'étiez pas avocat. Ah, non. Non, mais juste une petite fraction de seconde seulement. Hein. J'aurais pu, hein, mais... J'ai pas bien pas de son métier. Mais oui, mais très bien, mais j'ai vite compris mon erreur. Ouais, à cause de ma tenue, hein. C'est ça. La robe ne vous irait pas. La robe? Et vous alors? Je m'appelle pas Robert. Ah non? Moi, c'est Robert. Donc, c'est original. Bébert pour les intimes. Pour moi, ce sera Robert. Elles disent tout ça au début. Et à la fin, vous êtes là pour quoi? Pour la fuite. La fuite? Oui, la fuite de la robinet. Ah oui, la fuite. Oui, bien sûr. Je suis le roi de la fuite, moi. Quelle consécration! Comme je dis souvent à mes clients, Bébert, c'est un gars qui sait prendre la fuite. Ami poète, bonsoir. Dites, vous n'auriez pas une amie qui s'appelle Bruno, vous, par hasard? Bruno? Oui. Vous dites? Oui. Non, je ne vois pas pourquoi. Non, pour rien, comme ça. Bon, et passons aux choses sérieuses. Où est la salle de bain? Là-bas. Parfait, parfait. Dites, c'est pas que je resterai pas avec vous, mais j'ai du boulot, moi, hein. Mais écoutez, ne vous gênez surtout pas pour moi, hein. Et si j'ai besoin d'un coup de bain, je peux faire appel à vous? C'est cela, oui. Enfin, vous me direz, ça dépend, vous, le coup de bain, hein. La salle de bain, c'est là-bas. Parfait, parfait. En fait, c'est quoi votre petit nom? Julie. Julie? Ça alors, c'est trop fort. Et qu'est-ce que vous allez encore me sortir? Oh, je sais me tenir. Non, je disais, c'est trop fort. Parce que dans l'épisode d'Éric, la nièce s'appelle comme ça. Oui, Julie, enfin Julia, mais c'est pareil. C'est fantastique. Oh, c'est vraiment dingue, hein. Mais c'est dément. Bon, hey, à plus tard, je vous raconterai la fin de l'épisode, hein. Oh, promis. Qu'est-ce que c'est que ce bain? Un peu plus, il me demande de coucher avec lui. Mais où va-t-on? On vit vraiment dans un monde sans morale. Ah chérie, te voilà enfin. Mais où es-tu passé? Je butinais. Depuis le temps que je te cours après. Vraiment? Non, pour tout te dire, pas vraiment. Bon, j'espère au moins qu'il y a d'autres femmes qui me courent après. Bon, alors? Alors quoi? Ben, premier bilan. Oh ben vraiment pas terrible, hein, loin de là. Ah ouais? Et je pèse mes mots. En effet, tu m'as l'air contrarié. Oh, le serait à moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je viens de faire de ces rencontres, je ne te raconte pas le désastre. Oh, si, si, si. Raconte. Figure-toi que je suis tombée sur deux types. Gourmande. Non, figure-toi que je les ai rencontrés l'un après l'autre, mais heureusement d'ailleurs. Ah. Ouais, parce que pris tout seul, chacun est tellement un concentré pur jus de conneries. À un point que tu ne peux t'imaginer. Tous les deux contiennent une sacrée dose. Tu exagères. Non. Chacun a son propre style, je te l'accorde. Des virtuoses, en somme. Le premier, en tienne de couche. Coincé de chez coincé. Bon, pas méchant. Hein. Encore heureux. Mais le pire, c'est qu'on va se le coltiner ce soir. Ah, bon, espérons que sa femme relèvera le niveau. Oh, bah ben alors là, c'est pas gagné. Ah, parce que tu la gèles aussi? Non, le mari m'a largement suffi. Un seul homme t'a suffi? Ça m'étonne de toi. Tu comprendras mieux quand tu connaîtras l'individu. J'ai hâte. Allez, tu me parlais aussi d'un deuxième type. Oh, alors lui, idéal pour passer la deuxième couche et s'occuper de la finition, tu vois. Ah ouais, ça promet. Mais rassure-toi, lui au moins, on y échappera. Ah bon? Ouais, c'est le plombier. Ah. Il est de passage, là. Il n'a pas été convié ce soir. Hein. Ah, mais tant mieux pour toi. Oh. Heureusement que pour moi, les réjouissances sont plus intéressantes. Ah. Oui, j'ai eu beaucoup plus de chance que toi, ma chérie. Ouais, mais tant mieux pour toi. Et je n'ai fait qu'une seule rencontre, moi. Et elle est belle, je suppose? Ah, un véritable canon. Tous les marchands d'arbres se ruineraient pour l'avoir. Vraiment? Ah, une perle. Tiens, c'est pour les 15 ans. Tant que ça. Et comment se prénomme ce bijou? Virginie. Oh, c'est classique. Ma chérie, je crois que je suis tombée amoureuse. Pour changer. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour ce soir. Ouais. Bon, ben,
doit être par là. C'est ce qu'elle est un peu, comment dirais-je, farouche. Ouais, et je parie même que tu l'as effrayée. J'en ai bien peur. Je t'ai connu pourtant plus diplomate. Oui, peut-être que j'étais un peu trop entreprenant et que ça a jeté un froid entre nous, mais tout va s'arranger. Ouais. Pourvu seulement que je tombe avec elle ce soir. Ah ben, je te le souhaite. Et pour l'heure, quelles sont tes prérogatives, ma chérie? Oh ben écoute, moi je vais repiquer une tête. Tu viens avec moi? C'est une bonne idée, oui, pourquoi pas. Et tu passes à ça, s'il te plaît? Ne cherche pas ton maillot. Ah bon? Non, je t'expliquerai plus tard. C'est une longue histoire. Et Paul? Oui? Tu t'intéresses à l'architecture maintenant? Ah oui, depuis longtemps je m'intéresse à l'architecture. Enfin, plus à l'intérieur de l'architecture. Mais c'est vrai que c'est passionnant, t'imagines pas? Difficilement. Madame? Madame? Vous ne seriez pas Madame Dumoulin par hasard? Si, si, c'est bien moi. Ah, tant mieux. C'est la crée du cœur, ça. Mais c'est que je désespérais de vous rencontrer. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Je m'appelle Virginie. Enchantée. Alors, vous êtes là pour les choses de maison, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, et vous avez déjà visité? Non, pas encore. Je me reposais à la bibliothèque. Mais j'ai hâte de faire le tour du propriétaire. Oui, c'est naturel. Ce qui m'a été donné de voir me met déjà en appétit. Et je parie que le plus beau reste à venir. Vous parlez exactement comme votre mari. Mon mari? Vous l'avez déjà rencontré? Et alors, que pense-t-il de la maison? Mais je me demande si elle m'intéresse vraiment. À part les chambres? C'est surprenant. Il m'a l'air nettement plus intéressé par autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas très bien. Vraiment? Oui. C'est que ça me gêne un peu de vous en parler. Mais il n'y a pas de raison, alors. Qu'est-ce qui se passe? Oh, et puis vous connaissez votre mari, et puis je n'ai rien à vous apprendre de lui. Vous m'inquiétez. Est-ce qu'il a avec la même attitude avec toutes les femmes? Comment? Bon, d'abord, sachez que je n'ai rien fait ni dit qui ait pu m'aider, c'est supposé que... Mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous voulez la vérité? Naturellement. Vraiment? J'y tiens. Eh bien, votre mari a eu avec moi des allusions plus que douteuses. Qu'est-il? Voire même déplacées. Pardon? Oh, au début, je n'y prêtais pas peur, moi, j'ai cru qu'il plaisantait. Et puis il a ajouté le geste à la parole. Quel geste? Expliquez-vous, voyons, quel geste? Eh bien, pendant que j'avais le dos tourné... Oui? Il s'est déshabillé. Non. Il sait. Et ça a fallu d'arriver pour qu'il finisse tout nu. Mon mari, tout nu? Quelle horreur! C'est incompréhensible. Mais je me demande s'il a vraiment compris la leçon. Il m'a assuré que ce n'était que partie remise. Mais c'est purement insensé. Et je n'y suis pas allée ma mort, hein, croyez-moi. Mais ce n'est pas possible. Vous devez faire erreur. Bah, j'aimerais bien, madame. Mon mari, il ne ferait pas mal à une mouche. Oh, bah, à une mouche, je ne sais pas. Même avec moi. Il y a du mal à se déshabiller. Ben, je comprends. Hein. Je veux dire que c'est peut-être pour ça qu'il se rattrape avec d'autres femmes. Le sexe et lui, ça fait deux. Ils avaient l'air plutôt de bien s'entendre. Il est obsédé que par une chose, le travail. Vous pensez? Il est inspecteur du trésor. Ah, mais ça explique pourquoi il se rattrape avec les étrangères. Écoutez, madame. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Alors, pour la tête, je ne sais pas. Mais c'est ce que vous dites. Ah, et ça, c'est vrai, je vous le jure. Alors, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Oui, et pas que l'esprit, si vous voulez mon avis. Non, je ne comprends pas, décidément. Non, je ne comprends pas. Et le démon de midi, vous connaissez? Mais c'est de la littérature. Et mon mari ne lit que des ouvrages économiques. Non,
je ne vois qu'une explication. Laquelle? Il a eu un coup de chaleur. Un coup de chaleur? Ah oui, c'est sûrement ça, ça peut être que ça, un coup de chaleur. Ben, j'espère pour vous que ce ne soit qu'un coup de chaleur, que ce ne soit que ça. Mais enfin, je suis désolée de causer du trouble dans votre ménage, mais il faut absolument que je fasse. Oh, vous avez bien fait, au contraire. Et j'ai même cru qu'à cause de ça, bah, l'échange serait compromis. Bah, ce serait vraiment dommage. Ah, bah, je trouve aussi, hein. Tout ça pour un instant d'égarement. Oui, bah, j'espère pour vous comme pour moi que ce ne soit qu'un instant. Hein. Bah, moi aussi. Ah, bah, moi aussi. Sinon, je ne réponds plus de rien. Ah, mais vous, vous semblez être une personne sérieuse et digne de confiance. Merci. Il y en aura au moins un dans la famille. Hein. Dites, vous voulez qu'on visite la maison? Avec plaisir. Ça me changera au moins les idées. On risque d'y croiser votre mari. Hein. Oh, mais j'espère bien. Timothée sera habillé dans une des chambres. Car à la confrontation. Alors là. Monsieur Paul. Et vous, je parie que vous êtes le propriétaire des lieux, c'est ça? Gagné. Vous en avez de la chance. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Ah oui, ravissante. Voyez-vous, j'aime surtout ces dimensions. Ah oui, idéal pour moi. J'aime pas les trop petites, ça me complexe. Oh, elle dégage une véritable harmonie. Ah oui, tout est admirablement proportionné chez elle, le haut comme le bas. Elle est bien équipée. Ah ça, elle a ce qu'il faut, il faut, hein. Et confortable. Ah, ça, j'ai pas encore essayé. En un mot, elle est accueillante. Oui, enfin, même si le premier contact a été un peu froid. Et sans me vanter, c'est moi qui avais fait ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, elle devait quand même être belle avant votre rencontre, non? Oh, elle avait du charme, c'est certain, mais elle était plutôt délabrée, là. Délabrée? Oui, elle commençait à se fissurer un peu partout. Hein. À se fissurer? Oui, oui! Surtout l'arrière, hein. L'arrière? Oh mais, la restaurer n'a pas été de mince affaire, hein. Attends, à la voir comme ça... Mais ça a été un gros chantier. Elle paraît pourtant si jeune. Mais figurez-vous qu'elle a bientôt 50 ans. Hein. 50 ans? Ah oui. Votre femme a 50 ans? Ma femme? Mais qui vous parle de ma femme? Ben là, vous, à l'instant, là. Mais voyons, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est de ma maison dont il s'agit. De votre maison? Ben oui. Ah oui, je comprends mieux, oui. Ah, parce que vous pensiez à ma femme. Ah oui, à chaque minute, oui. Mais et la confusion était facile, puisque toutes les qualités de votre maison peuvent très bien s'appliquer à votre femme. Ah, oui. Gentil pour elle, hein. Non, mais c'est normal. Vous croyez? Ah oui, les deux ont tellement de grâce. Sors-le. Oui. Enfin, pour votre maison, j'ai pas encore essayé, mais pour votre femme... Pour ma femme. Enfin, j'ai pas encore tout vu, mais ça viendra. Enfin, le peu qui m'a été donné de voir, m'a enchanté. J'en suis flatté. Enfouté. Salaud. Vous voulez que je vous dise quelque chose, vous? Oui. C'est un sacré vénard, hein. Ben, si vous le dites. Hé, hey, je m'y connais, hein. 10 ans que je pratique l'échangisme, alors des femmes, j'en ai rencontré. Hein. Oh, sûrement, hein. Ah, mais des comme la vôtre, ça. Non, ça coupe pas les... Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est bien la première fois qu'on me dit ça, hein. Ah, bon. Ouais. Voyez-vous, je comprends pas pourquoi vous voulez la partager. Ben... Moi, je serais vous, je la garderai pour moi tout seul, jalousement. Vous croyez? Ah, ben oui, mais pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a de mieux chez soi? Ben... Parce qu'on ne sait pas qu'on a la meilleure chez soi, tout simplement. Ah ben tout ce que vous me dites me donne à réfléchir, dis donc. Ben réfléchissez-y. Réfléchissez-y avant qu'il ne soit trop tard. Allez, j'espère seulement une chose pour vous. C'est que ma femme vous plaise autant que la mienne me plaît. À la vôtre. Comme ça, vous sentirez moins lésé. Hein? Chérie! Chérie!
Karine. Mais c'est presque pareil. Je suis Evelyne pour vous servir. Je dis ça parce que je suis la bonne. Alors pour vous servir, il n'y a pas mieux. Hein. Comme on dit, je suis bonne pour le service. Ah non, elle n'est pas là pour le week-end. Comment ça, ce n'est pas possible? Bien sûr que c'est possible. C'est même certain puisque je vous le dis. Ben, chez sa cousine Germaine. Enfin, Agnès ou Claire pour les intimes. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Oui, mais figurez-vous que je devais partir moi aussi, mais le train pour Poitiers a été annulé au dernier moment. Une grève sur le tard. Oui, oui, sur le tard, qu'ils ont dit. Comment ça, ça ne vous intéresse pas? Vous deviez venir ce soir et vous serez en retard? Oh ben non, je ne savais pas. Pourtant, je sais beaucoup de choses. Je sais même tout ce qui se passe dans cette maison. Rien ne m'échappe. Et je vous répète qu'il n'y a personne à part moi, naturellement, puisque je vous parle. Vous avez dû vous tromper de week-end, sûrement. Non, pas la peine de rappeler, ni de vous déplacer, puisque je vous dis qu'il n'y a personne. C'est ça, je n'y manquerai pas. Rappelez lundi. Bien le bonsoir, madame. Ouh, il y a des embouchés quand même. J'ai eu pour lui répéter 10 fois qu'il n'y avait personne. Faut qu'elle insiste. Ah, je vous jure, il en faut de la patience. Oh, ça m'énerve. Une demeure splendide, n'est-ce pas? Tout à fait ce que nous recherchions pour nos vacances. Tant mieux. J'espère franchement que nous allons conclure. Votre mari espérait la même chose. Ah. Oui, mais il ne pensait pas la même chose, lui. Oui, bon, n'y revenons plus et rassurez-vous. Je vous promets de tirer cette affaire au clair dès que je le verrai. Ouais, ben, reste encore à le voir. Nulle trace de lui, en effet. Mais j'aime autant d'ailleurs. Oh, excusez-moi. Allô? Mathieu? Oui. Comment? Non. Attends, je t'entends pas. Quoi? Oh, ça passe mal. Attends, je te prends sur la terrasse. Vous permettez, j'en ai pour 2 petites minutes. Je vous en prie. Ah oui, bien sûr. Mon Dieu, Odile, je
m'en souvenais plus. C'est flatteur, ça. Bon, bah écoutez, je vais retourner me baigner, c'est plus agréable. Vous me suivez, Vicky? Bien sûr, je vous suis, mon Dieu. Virginie avait donc raison. Et moi qui croyais naïvement un instant d'égarement, un coup de chaleur, tu parles. Il est lui faut tout par-dessus le marché. Virginie et Julie maintenant. À qui le tour s'attire? Mais s'il croit son tiracide. J'étais peut-être aveugle. Mais je vais me rattraper. Mais c'est pas mauvais, ça. Non. Ah, c'est sûr, je vais me rattraper. Et sans plus attendre. Pourquoi il n'y aurait que lui qui en profitera après tout? Messieurs. Vous ne seriez pas Madame Lafont? Non, non. Tant pis. Mais je peux la remplacer, si vous voulez. Vraiment? Oui, ça devrait aller. Oh, on dit ça et puis... Donc, Madame Lafont n'est pas là. Mais on peut se passer d'elle. Moi, c'est Odile. Robert! Alors ça c'est vrai. Bon, Bébert pour les intimes. Hein. Alors, pour moi, ça sera Bébert. Je viens de jeter un œil au lavabo. Comme ça doit être passionnant. Vous n'avez pas jeté un œil par ici pendant que je serai là. Il y a pas de soucis. Si on veut, mais je suis sûr que vous allez venir d'ici. Doucement, je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir. Hein. Mais moi, je sais. Et dites, pour en venir au lavabo. Oui. Et j'ai un problème. Ah oui? J'ai un gros billet qui fuit. Vous avez un gros robinet. Mais c'est fréquent, hein. Mais c'est ensemble. Vous croyez que c'est utile? Indispensable. Allez, ah bon. Ah ben ça c'est drôle, j'allais vous poser la même question. Oh ben moi c'est tout bête.
Figurez-vous qu'à la gare, 5 minutes avant le départ du train, on nous a annoncé le déclenchement d'une grève illimitée. Non. Si, ça demande pas de chance, hein. Oh que non, hein. Et ça tombe vraiment mal. Oh que oui. J'ai compris qu'il n'y aurait pas de train avant demain midi. Quel dommage, hein. Alors, comme je ne pouvais pas rester toute la nuit à la gare, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentrée à pied dormir ici. Oh, mais quelle bonne idée vous avez eue là, hein. N'est-ce pas? Et comment, oui. Quelle très bonne idée vous avez eue là. Oui, j'étais sûre que vous alliez m'approuver. Et comment, hein. Après, quand je voudrais tout raconter lundi, quoi. Oui, c'est ça, lundi, oui. À votre retour. Oui, voilà, oui. Parce que vous ne devez être de retour que lundi. Oui, oui, tout à fait. Et nous sommes vendredi. Seulement. Eh oui. J'aurais pourtant cru que... Donc, si mes calculs sont exacts et ils le sont, vous ne devriez pas être ici. Ah bon? Non, vous devez être en route pour trois. Ah oui, mais comme on dit, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Hein. J'ai la cousine de la madame. Voilà, c'est ça, oui. Agnès, c'est ça? Oui, sûrement, oui. Demain, on n'est pas sur la route. Eh ben non. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous avez sûrement une explication. Ah, une explication, oui, bien entendu, oui, bien entendu, une explication, oui. Mais voyez-vous, c'est une longue histoire, hein. Et il faudrait beaucoup de temps pour vous le raconter. Oh, maintenant que je ne pars plus, j'ai toute la soirée. Non, mais il vaut mieux que ce soit Karine qui s'en charge. Moi, je risque de me tromper et elle sait bien mentir. Enfin, je veux dire, inventer, quoi. Faire raconter, quoi. Bon, comme vous voudrez. Mais j'ai une toute petite question. Et toute petite, alors. C'était quoi ce machin-là? C'est ma chère, hein? Un maillot de bain, voyons! Ça n'avait pas l'air, mais c'était bien un maillot de bain, hein? Et ça, dans le maillot de bain? Ça? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai cru voir un homme. Eh, vous avez bien vu, là! Je n'ai pas... C'était bien un homme, c'était oui, bien un homme! Je n'ai pas l'habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Bah, nous n'avons rien à vous cacher, hein? Bon, alors c'était qui cet homme? C'était qui cet homme? Voilà une bonne question, hein? N'est-ce pas? C'était qui cet homme? Eh bien, c'était Monsieur Dumoulin! Oui, Monsieur Dumoulin? Oui, enfin, c'est ce nom qu'il m'a donné, quoi! Vous n'allez pas me dire que c'est le plombier. Eh bien si, je vous le dis, là, dans le mille. Alors vous m'épatez. Eh bien remarquez, c'était pas difficile à savoir qui c'est qui allait venir aujourd'hui. On n'attendait personne, sauf le plombier, évidemment. Hein. Et nous, d'ailleurs, avec Karine, on était sur la route pour trois, tranquille, sans spécial. Et puis tout d'un coup, le téléphone portable. Allô? Oui? Elle-même? Le plombier? Mais nous espérions plus. C'est à moi pour la maison. C'est ennuyeux. Bon, avec Karine, on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou pas? Et on a eu tellement de mal à l'avoir, ce plombier, qu'on a fait demi-tour, et nous voilà. Bon, on roulait que depuis 10 minutes, sinon on y aurait carrément dit de revenir une autre fois. Hein. Non, mais faut pas exagérer non plus. Hein. Et votre cousine dans tout ça? Ma cousine? Oui, votre cousine de Troyes. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Ah non, mais c'est pas grave, il a dit qu'on arriverait plus tard, hein. Bon, quand, ça c'est une autre histoire, hein. D'accord, monsieur. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Non, quoi donc? Qu'est-ce qu'un plombier fait en maillot de bain? Un maillot de bain? C'est vrai que ça peut surprendre, hein. Et vous connaissez la chanson? Oh les mains, peau de lapin. Je vois pas le rapport. Tout comme fait, moi non plus. Mais c'est un simple, si vous saviez, c'est un simple. Inès, c'est vraiment ce que je voudrais savoir. Vous vous souvenez qu'il y a eu une fuite au robinet? Oui, sinon le plombier ne serait pas venu. Exactement, alors vous, quel esprit logique. C'était une bonne fuite. Et vous ne croyez pas si bien dire. Hein. Eh bien, vouloir réparer cette fuite, le plombier, là, il s'est complètement trempé. Et comme il était trempé, il a dû se déshabiller. Voilà. Et du coup, il s'est mis en maillot de bain. Voilà. Vous voyez, quand vous voulez, vous trouvez. Hein, mais il n'est quand même pas très futé, ce plombier. Ah, et peut-être, mais il est prévoyant. Et la prévoyance, c'est une grande qualité, puisqu'il a pris son maillot de bain. Il est prévoyant. Hein. D'ailleurs, c'est une qualité qui a tendance à se perdre. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve qu'il était pourtant pas très jeune. Non, mais il faut le... Pardon, c'est une reconversion. Oui. Autre chose, hein? Qu'est-ce qu'il allait faire par là? Ah, qu'est-ce qu'il allait faire par là maintenant? Oui, qu'est-ce qu'il allait faire par là? Il allait prendre un bain. Là-bas? Oui. Un bain? Oui. D'accord. Là-bas, c'est la piscine, oui. Oui. Parce que là, oui, la salle de bain, là. Ah oui, c'est ça, oui. 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 Donc, salle de bain, piscine, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, j'ai encore une petite question.
petite seule, encore, hein, une seule. Hein. Le plombier m'a dit qu'il cherchait sa femme. Ah, mais remarquez, vaut mieux qu'il cherche la sienne qu'une autre. Hein. C'est pas faux du tout, c'est pas faux. Mais qu'est-ce que sa femme fait ici, chez vous? Ah, mais là aussi, ça peut surprendre, mais... Madame Dumoulin, voilà vous faire. Figurez-vous que votre mari... Alors, il reste où il est avec qui il est. Au pire. Ah, mais quand on parle du loup, il montre sa queue. Pas besoin d'en parler pour qu'il le fasse. Mais où est-ce que tu étais? C'est pas très loin, comme tu vois. J'ai cherché partout. Ah, d'autres. Le temps t'a pas paru trop long sans moi, je suppose. Ouais, je suis allé le payer, j'allais profiter, quoi. Mais bien sûr. À la fois, on nous avait dit qu'on allait se mettre à l'aise. Ah, ça, t'en as profité. Et toi, qu'est-ce que c'est que cette tenue-là? Bah, je te retourne la même question. Tu t'as pas eu peine, dame très, très charmante et très et coopérative en plus. Attends, eh bien moi c'est Bébert qui m'a prêté sa tenue. Bébert? Robert si tu préfères. Ah ben, Karine sera contente, il y a bien un petit Robert. Hein. Un homme très agréable et très coopératif. Tu peux sortir Bébert. Pas le seul à pouvoir payer du bon temps. Ah, c'est pas le cas insister. Mais qu'est-ce que... Je t'assure. Tu le vois? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas le seul à pouvoir te payer du bon temps. Sache que moi, je préfère être ridicule. Mais non. Allez, viens ici. Quand on a pour une... J'aurais jamais cru que... Ah, tu ne crois jamais, mais tout arrive, tu vois. Oh, j'aurais jamais pensé. Tu ne crois jamais, c'est normal. Mais tout arrive, tu vois. 20 ans que je me retiens. Alors aujourd'hui, je me lâche. Bah, ne vous tracassez pas, ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais je préférerais que ça arrive à d'autres. Remettez-vous, enfin. J'ai bien compris, c'est que notre affaire, c'est foutu. Mais ça ne fait rien. Hein. Oui. Vous savez, ce genre de pratique, je ne conviens pas tellement. Non, mais c'est comme au rugby, il hein. Faut pas s'arrêter au premier essai. Hein. Oui, sauf que là, méchamment plaqué. Ah, oui. Mais vous avez raison, hein. Vous avez raison, je ça va, hein. Mais tenez, je vous donne pas plus de 2 minutes avant que Odile me téléphone et s'excuse. Ah ouais, mais la sport fait vivre, hein. Mais quelques pas sur moi pour faire le premier pas. À ça, jamais, hein. On a sa fierté, hein.
patron qui se tire avec l'ouvrier de son mari, tout simplement. Tout simplement, oui. Dites, oui. Vous avez parlé d'une affaire. C'est quoi, au juste? Non, mais ça fait partie des petites choses où Karine se fera un plaisir de vous éclaircir. Hein. D'ailleurs, je vais la rejoindre en cuisine. Hein. Et je vais en profiter pour prendre un bon cachet d'aspirine. Hein. Non, mais demain, hein, s'il vous plaît, ça pourra toujours servir. Me voilà de retour. Madame Dumoulin. Madame Dumoulin, je peux t'aider? Non, non, ça n'ira, merci. Mais... Papa? Elle-même. Non, non, moi pas partie. Enfin, partie puis revenue. Un train qui n'a pas décollé, bêtement. Et toi? Moi? Oui, la préparation des examens est toujours intensive, est-ce que je vois? Je vais t'expliquer. Ton concours se présente bien. Je vais t'expliquer. Ça serait souhaitable, en effet, mais pas pour l'instant. Non, figure-toi que je ne suis pas seule dans cette maison. Monsieur et Madame Lafont sont eux aussi de retour. Non! Je parlais que tu ne t'y attendais pas. Non. Et s'ils te trouvent ici, tu auras une explication à leur fournir naturellement. Et une explication sensée, ça va sans dire. Et pas vraiment, non. C'est bien ce que je pensais, comme je n'en ai pas non plus. Tu vas me faire le plaisir de quitter ces lieux en plus vite. Ah, mais non, c'est impossible. Et pourquoi donc? À cause du moulin, il faut absolument que je les voie. Et pour quelle raison? Eh bien... Alors là, ne cherche plus. Non. Non, les Dumoulin viennent de déguerpir. Ah. Ah oui, une petite bouée dans le couple. Oh, bah c'était inévitable, hein. Oh, c'est terrible, un couple qui se déchire. Hein. Bon, allez, assez discuté. Tu vas me faire le plaisir de filer à ton appartement. À mon appartement? Oh, mais oui, pas en cure thermale. Pourquoi faire? Bah, tu me le demandes. Au travail et mardi, comme tu étais censé le faire. Oui, ça. Tu diras rien à personne. Bon, on verra. Mais tu as intérêt à me trouver un mensonge qui tienne à la route. Promis. Ce sera dur, hein. Mais promis. On vient. Allez, tu vas rester un peu vite. Attends, je prends mon sac. Dépêche-toi. Madame, contente de vous revoir. Le plaisir est partagé. Oui, oui, d'accord, très bien. Ah, j'avais oublié, on a téléphoné tout à l'heure à deux reprises. Ah. Oui, mais la première fois, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Je ne savais pas que c'était alors, vu sous cet angle. Mais la deuxième fois, j'ai fini par décrocher. C'était une madame... Attendez que je me rappelle, madame Fou... Oui, c'est ça, madame Fougeron. Cécile Fougeron. Ça doit être ça. Elle pensait que vous étiez là ce week-end. Non. Si, évidemment, je ne peux être trompée. Mais puisque vous étiez partie chez votre cousine. Bah oui, bien sûr. On a finalement convenu qu'elle vous rappellerait lundi. Cécile Fougeron, on ne viendra donc pas. Mais ça change tout. Ça change tout. Chérie, chérie. Madame? Excusez-moi, Christophe. Oui, excusez, mais avec toutes ces allées et venues, j'ai vraiment pris l'instant d'être trompée d'adresse. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous n'êtes pas plombier, vous au moins. Ah, non. Moi, je ne suis pas plombier, non. Je suis plutôt cadre. Et vous n'êtes pas à la recherche de votre femme non plus. Ah, non, 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 pour l'instant, ce serait plutôt Virginie qui m'intéresse. Virginie? Oui, vous la connaissez? Et comment, c'est ma nièce? Votre nièce? Oh, mes félicitations! Mais ça, c'est une discussion, vous la cherchez pourquoi, au juste? Vous doutez bien, hein? Vous ne seriez pas son amoureux, par hasard? Ah, que oui, ça c'est sûr que je suis amoureux d'elle, oui, ça c'est sûr, oui. Je le savais. J'étais sûre qu'il y avait un homme là-dessous. La coquine. Elle aura profité de notre absence pour se trouver un petit nid d'amour. Elle est passée où, juste, votre nièce? Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Oui, c'était nécessaire, c'est moi qui lui ai demandé de partir. Oh non, c'est trop dommage, le cadre était idéal, là! C'est sûr qu'être un cadre, ça en jette. Oui, bon, elle est partie où, juste? Alors qu'il est en route pour son appartement. Comment son appartement? Oui, si vous tenez tellement à elle, vous n'avez qu'à la rejoindre. Ah ben oui, ah, ça j'aimerais, oui. Et là,
hélas, j'ai pas l'adresse de cet appartement. Elle ne vous l'a pas donné? Ben, non. Ah, ben ça, c'est bête. Ah, ben oui, c'est bête, ça. Oh, bon. Vous me paraissez tellement sincère et député que je vais vous la donner. Oh, mais merci. Il n'est pas dit que je serais la cause d'un gros chagrin. Voilà, tenez. Merci. Allez, vous me remercierez tous les deux plus tard. Allez, allez. Monsieur. Oui. Habillez-vous quand même. C'est beau, l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. Cueillons, cueillons ces fleurettes. L'amour est un bouquet de fleurettes. Chérie, oui. Ah, tout voilà enfin. Changement de programme, on déménage. Où donc alors? La soirée des changements n'a plus lieu ici. Mais où? Dans un appartement en ville, chez Spiduré. Ah bon? Oui, Virginie est déjà partie. Ah, Virginie, elle te fait vraiment tourner la tête, celle-là. Hein? Ah, mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie, ça s'explique pas. Et moi, j'ai gagné quoi dans l'affaire? Enfin, Virginie a des amis charmants, ce dont je ne doute pas. Donc ce sera plus intéressant qu'ici, qu'est-ce que tu penses? Oui, pourvu que tu aies raison. Enfin, si tu ne sais pas ce que tu vas gagner, tu sais, ce que tu y perds ici, ça te dira pas grand-chose. Effectivement, Mickey ou Philippe Berthier, c'est du pareil au même. Bah, allez, on y va. Et laisse-moi le temps de me rappeler. Non, c'est pas la peine. Oh, mais bon, tu as raison. Je suis bien sûr, les Fougerons ne viendront pas. Demande à Emily, celle qui les a eu au téléphone. Non, inutile. En revanche, une bonne nouvelle. Oui. Les Berthier sont en route. Gad vient de me téléphoner. Je crois qu'il vaut mieux que nous annulions cette soirée. Hein. Comment? Je n'y tiens plus trop. Vraiment? Oui. Tu dis ça parce que tu risques fortement de te retrouver avec Gad Berthier? Ah non, pas seulement. Alors c'est parce que Cécile Fougeron ne sera pas là? Ah, pas davantage. Tu m'étonnes. Eh bien, figure-toi qu'en quelques minutes, j'ai compris bien plus qu'en des années. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a de mieux sous la main? Vous risquez de tout perdre. Non, 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 l'exemple des New Moulins m'a suffi. Ah, chérie. Je vous dérange? Non, non, nous nous apprêtions à repartir. À repartir? Oui. À trois? Oui, oh, à trois ou ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est de repartir à zéro. Enfin, je veux dire à deux, en amoureux. Quel beau couple vous formez. Je me demande parfois comment vous faites après toutes ces années. En innove. Dites avant de partir, j'aurais une petite question à vous poser, un petit conseil. Ouais. C'est à propos de mon billet de train. Je ne sais pas si je dois accepter la proposition de la SNCF. Quelle proposition? Eh bien, un échange, pardi. Un échange. Thank you.
ont eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous de M. Vincent Durand. Dans des décors de M. Le restant, de la troupe, je voudrais faire une petite parenthèse et vous présenter trois comédiennes qui ont rejoint les Tréteaux de Carnoux cette année. Et je veux parler de Dalila, Patricia. D'exceptionnel pour encourager notre petite dernière qui est là, qui s'appelle Nonette. Sérieux, à notre décorateur pour monter les décors. Corinne.